Welcome back to Top Takes Daily. Today we're joined by two very special guests, Ronnie 2K from NBA 2K and MP, the YouTube star turned overnight NBA sensation. Welcome to the show, fellas. Thank you. Thank you. Ronnie, you know I want to start with you. I bet you do. Now, you know, I've been calling you out before on how bad 2K ratings are. Bro, how can you even sleep at night? You said Russell Westbrook was better than Kevin Durant. Correction. I said Russell Westbrook was the greatest Thunder player of all time. And I stand by that. He means everything to that franchise. I have the facts and numbers to back it up, Ronnie. Guess we're going to have to agree to disagree, Perk. You're free to have a wrong opinion, Ronnie. But that's nothing new from you. Just look at the rating y'all gave MP this year. You think it was too low? Too low? Ronnie, are you okay? You gave him a 90. As a rook, you got vets who have proven themselves in the playoffs rank much lower than that. I don't know what you guys are doing over there, but y'all need to watch the games. We actually have a whole team of people that watch the games who come up with the ratings, and they are the best in the world at what they do. It's a science. Do you or do you not believe MP deserves to be a 90 in NBA 2K? Unlike you, Perk, I stand by my team. Plus, if you say you watch the games like you say you do, you know MP's the truth. Oh, I watch the games. And the truth ain't what I call MP. MP, do you deserve a 90 this early in your career? Bien sûr que oui. Look, of course I do, man. And if I'm being honest, I don't care what you think about my ratings. That's your opinion. And quite frankly, they don't bother me. Whose opinion do you care about, Mr. YouTube sensation? You're playing for the comment section. Look, I got a circle of people that I trust, and that's a small one, too. And if you're not in that circle, then you out of my concern. And no offense, that's just how I always been. I got thick skin, kid. You don't got to worry about offending me. The world keeps spinning. Facts. Okay. I love to keep chopping it up with you guys, but my producer's telling me that's all the time we got for this segment. Ronnie 2K, MP, thanks for joining us, brothers. Thank you. Thank you. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, que vous avez kiffé la reprise de la NBA. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement? Ben, le King Paf n'est plus un joueur de Détroit. Le King Paf n'est plus un loser. Le King Paf est un joueur des Knicks. Bah ouais, le King Puff est un joueur des Knicks, la plus belle ville des États-Unis après Los Angeles. Mais les gars, ce soir on se retrouve le premier match NBA les amis du King Puff aux Knicks. On était totalement dans les bas-fonds. Ah vas-y mais Analkiz, casse la tête avec son putain de carte là. Casse-toi là. Moi aussi je vais faire du bruit avec mon carte plus tard, t'inquiète même pas. Ah oui d'ailleurs vous avez remarqué, je suis niveau 35. Voilà, hein, j'ai un peu charbonné ce week-end, t'as vu. Et je suis 98 de jeune. J'ai un peu augmenté le King Puff. Rendez-vous au centre d'entraînement, faut que j'aille là. Come on in. What's up, coach? Look, I'm really liking your aggressiveness lately. Ah, thank you. Look, I've just been attacking more, you know, trying to keep the defense on his heels. Exactly. But now we need to get your efficiency up. Okay. We need to fine-tune that shot and get more of these buckets falling. Oh, for sure. Look, I'm ready to put in that work. All right, we're going to take your game to the next level. Here's what I want to do. On a un NBA 2K les gars qui est vraiment bien, qui est vraiment sous-côté. Mais je vais vous montrer un truc. Dans les quêtes, vous avez les quêtes de carrière maintenant. Et on a plein de quêtes tout au long de la saison. Depuis que je suis au Knicks, les quêtes ne se sont pas arrêtées. C'est-à-dire que j'ai un objectif, il faut que je devienne All-Star. Des défis en développement. Donc ça, faut que je revoie le coach pour qu'il me donne tous ces défis-là. Je dois terminer des matchs avec 20 points de moyenne. C'est trop bien. En vrai, il y a plein de défis tout au long. C'est vraiment bien. Bon, bah allez les gars, si on allait faire notre premier match NBA aux Knicks là, parce que je vous fais attendre, je vous fais durer le suspense. On va essayer d'aller fumer les Knicks, les Hawks. Je suis aux Knicks. On joue à Atlanta ce premier match, les mecs. On est sifflé. Oh, normal qu'ils nous sifflent. On est une star maintenant, les gars. On va essayer de faire un bon match, les gars, c'est le premier. On doit impressionner tout le monde, les mecs, parce que, évidemment, notre transfert n'a pas été ultra bien vu par tout le monde. Il y en a beaucoup qui nous ont critiqué sur ça. Donc, on va essayer de faire du bon boulot. Waouh, ça pète les oreilles, frère. Allez, c'est parti, les mecs. Allez, premier ballon, donne-moi ça, Julius. Ok, on va commencer par un système pour RG. Tiens, mec. Attends, je reviens. Nice shot. Dommage. Grave lourd ce début de match là. Hein. Grave lourd ce début de match, dis donc. Hein. Petite perte de balles, petit panier Trae Young. Aïe 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 aïe. On a le temps, les gars. On va y arriver, vous inquiétez pas. Je vais essayer de tout donner. Non. Il loupe, il loupe, il loupe.
Ok. Je vais essayer de me poser tranquille. Je vais éviter de parler de tout ou de rien, même si on a l'NBA qui va reprendre. Oh. On a l'NBA qui va reprendre là, donc. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'aimerais parler. Et oui, il y en a qui a posé une question. Est-ce que je vais faire des espèces de fast five un peu à la des pielos pour ceux qui regardent la F1? J'aimerais bien trouver un concept un peu dans ce délire là. Parce que j'aimerais bien reprendre un peu les vidéos NBA actuelles. J'y vais, les gars. Let's go, baby! Let's go, baby! Mon premier panier à New York! Faut que j'arrive au moins à mettre 30 points, je pense. Au moins 30 points. Après, en vrai, l'équipe, je suis vraiment content d'avoir rejoint New York parce que. Bah, c'est une de mes équipes préférées. C'est pas mon équipe préférée. Mais c'est une de mes équipes préférées. Et pour moi, en fait, j'avais envie de rejoindre une équipe où ce serait pas non plus cheaté, tu vois. J'avais pas envie de. Ok, tu l'as, Randle? Non, on a Love Ball. J'y vais, hein. Non. Bah, les couilles. Ok. Mais ouais, en fait, on a rejoint une équipe, les gars, je trouve qu'il. En fait, on a une bonne équipe, mais c'est pas non plus une dinguerie. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a une bonne équipe, mais c'est pas non plus une dinguerie. On a Randle, le deuxième All-Star, on a du shooter avec Evan Fournier. On n'a pas une équipe incroyable, mais franchement, c'est pas mal. Je vais dans le corner. Normalement, ça devrait me changer la vie quand même de Détroit. Hein. Enfin, facile, en même temps, j'étais à Détroit, donc c'est facile, je pense, d'avoir mieux. Ok, on est passé encore, let's go. Merci, Evan. Mais il y a moyen qu'on fasse des petits pick and roll avec Mitchell Robinson, il y a moyen que... On puisse régaler un peu Julius Randle, même s'il est lié fort, donc je sais pas trop comment jouer avec lui, on va voir. Evan Fournier, on va le faire shooter à balle. Et RJ Barrett, je sais pas trop ce qu'il vaut non plus dans le jeu. Je sais pas si c'est un gros shooter dans le jeu. Il agresse beaucoup, mais en fait, c'est simple. Les agresseurs sur le jeu, je sais jamais trop comment faire pour les faire jouer, pour faire des systèmes avec eux, tout ça. Donc on va essayer d'apprendre, mais en vrai, il y a une bonne osmose, il y a un bon groupe, et il y a moyen de faire quelque chose de sympa, tu vois. Je vais vraiment forcer avec Evan, les gars, hein. Je vous mens pas. Evan, c'est ton moment. Hein. J'aimerais bien te voir... mettre ton premier panier. Il veut pas marquer, hein. Peggy 18. Ouais, je vais prendre des shoots, Mais là, j'essaie de mettre en confiance le coéquipier, les gars. C'est bon, les gars. Je suis un joueur de New York. C'est officiel, les mecs. Non, 0-0. Les gars, en vrai, on peut parler vite fait d'actu, si vous voulez, d'NBA. Rapidement, même si j'aimerais bien en faire des vidéos un peu plus approfondies, tout ça. Mais ouais, la reprise de la NBA. Oh, s'il le met. On regardera pas le replay, les gars. Oh, tu l'as, mec. S'il te plaît. Voilà, merci. On regarde pas le replay, les mecs, c'est mort. Mais ouais, pour parler très rapidement NBA, les gars, il y a la reprise NBA là de demain. J'ai tellement hâte. Pour ceux qui regardent la vidéo. Et bah vous savez déjà peut-être tout ça, vous avez vu les premiers matchs NBA et tout, mais moi j'ai trop hâte, j'arrête pas de me répéter, mais j'ai vraiment hâte. Mais ouais, du coup, Ben Simmons, le mec. Ben Simmons, du coup, qui est parti s'entraîner avec Philadelphie, et apparemment, il y a une joie de vivre à Philadelphie, c'est incroyable. Hein. Franchement, les fans de Philadelphie, ils m'avancent, hein, dans mon cœur, les gars. Vraiment... Nope. Dommage. Vraiment, force à vous. Rien à dire, force à vous. Non. Bonne day. Les gars, défense, allez, les gars, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, défense. Je l'avais. Putain, faut pas que je refuse mes shoots. Allez, putain, King Puff, là, c'est ton premier match. Perkins et les autres, là, ils vont continuer de te fumer, là. Mais putain, allez. Réveille-toi, wesh. Je vais me concentrer, les gars. J'ai besoin de me concentrer. Je vais me concentrer, du coup, un petit peu. M'en voulez pas. Poser le like, le petit follow, tout ça. Hey, on joue contre Atlanta ou on joue contre les Lakers ou Brooklyn là? Je sais pas, je veux savoir les mecs. Merde. À la base, je voulais dire un headshot, mais c'était pas du tout un bon shoot. Non, 0-0-0. Nice. On va remonter, les gars. Faut juste que je me réveille, mais. Hey, il défend trop bien, mec. Let's go, baby, allez! Bang, bang, bang! 13 points, les mecs. Une petite passe. J'arrive pas à trouver mes coéquipiers, après, c'est le premier match. Donc, je pense que c'est normal. Bonne day. Oh, ball. Let's go, on a shot. Bang. Faut leur qu'on porte les Knicks, les gars. Après, je suis bien accompagné, mais j'arrive pas à les trouver. Je pense, à force de jouer avec eux et tout, je vais réussir à capter un peu comment jouer avec eux, mais... Pour le moment, c'est compliqué. Hein. En vrai, pour un premier match NBA, jouer Atlanta, c'est quand même pas mal, je trouve.
Putain, j'ai mes yeux, ils bug, les gars. Je vois des trucs bizarres. Allez, dégage. Allez, mange, mon ref. Les gars, il y a un vrai duel, hein. Il y a un putain de duel. Trae Young, King Paf dans ce match, hein. A few moments later. Merci, mon frérot, t'es un monstre. T'es juste un monstre, en fait. Merci beaucoup. Y'a 2-2. T'es de même, je m'en bats les couilles, y'a 2-2. Y'a 2-2, je te dis. Et le mec coupe tout. Y'a 3-2 pour moi, même. Ah là là, mais ce duel contre Trae Young, mais incroyable. Putain, mais je m'attendais pas à ça. Je vous mens pas, les mecs, je m'attendais pas à ça pour ce premier match, hein. Pour ce premier match, je m'attendais pas à devoir me faire briser des gars comme ça, tout, hein. Bon, c'est le Will sur nous, maintenant. Normalement, ça devrait être un peu plus tranquille. Ah. J'ai rien dit. Oh oui. Roll. Bon, ben j'y vais. Voilà, la petite main droite. Allez, 4 points de retard. Après, je sais pas si avec cette équipe on peut jouer le titre. Vous pensez qu'on peut jouer le titre avec New York ou pas? Parce qu'en vrai, c'est pas non plus la meilleure équipe du monde, tu vois. Déjà, quand Atlanta on galère, mais quand on va jouer. Je sais pas, Milwaukee ou Brooklyn, ça va être chiant. Hein. Nice shot. Bang. Please, motherfucker. Merci. Fin de la première mi-temps, on est mené de 4 points. Je fais un bon match. Je m'obstine peut-être un petit peu trop à vouloir jouer avec mes coéquipiers, mais en vrai, je fais un bon match. J'espère que vous kiffez. J'espère que vous passez un bon moment. 26 points, une passe, 6 sur 11 au shoot, à 3 points en tout cas. Donc vas-y, let's go, baby. Evan, c'est ton moment. Ok, Randall, c'est ton moment. Voilà. Quand le ballon il circule un peu plus vite, on a un peu moins de mal. C'est très... c'est très logique ce que je viens de dire. Putain, quand on met plus de panier que les adversaires, on gagne les matchs. Quand on défend bien, on prend moins de paniers. Quand on marque beaucoup de paniers, on met beaucoup de points. Oh, let's go. Nope. Voilà, ça m'apprendra. C'est ton moment, mec. Allez, RG. Nope. Dommage. Hashtag logique. Hashtag analyse. Oh, nice. Tu me finis ça. Merci. Si je gagne, je veux au moins 3000 likes sur cette vidéo. Prime, Twitch et tout sur le stream, là. Préparez vos subs, là. Pour l'exclamation Twitch Prime, là, les subs gratuits, tout ça. Evan. Mais prends tes shoots, putain! Randall. Voilà! Ils font des prises à deux, c'est votre moment, les gars! Le coach me sort, les mecs, déjà. Le match passe très vite. Il me re-rentre. On mène 69 à 63. Merci les dieux du basket. Merci à tous d'être sur le live d'ailleurs, il y a du monde, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Ça fait du bien les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit follow les gars, je suis en live pratiquement tous les soirs. Tu rolls, tu me finis ça. Merci Nerlens. C'est Iso Evan, hein. Evan, il n'arrive pas à jouer au basket sur ce match. What time is it? It's them time. It's fucking them time. Il y a des packs ce soir, il y a du rec ce soir. Non, c'est une blague. Coach? Allô, coach? Coach? C'est une blague. Allo coach. Et là tu me re-rentres, on est mené 3 points. Et il reste 23 secondes en fait. Pour emmener Trae Young sur la ligne des lancers. Wouh. Let's go. J'ai même pas fait exprès. Oh my god. Ok. Là je vais croquer ma grand-mère. Ok bro. J'arrive pas à avoir de shoot.
J'ai pas de shoot. J'ai pas de shoot. Pas de lancer. Hein. J'ai pas de shoot, il défend trop bien. Mais Triang, c'est pas Triang. Ça rentre. Je vais péter un câble, mais non, mais c'est une blague, putain. Mais frère, mais d'où Triang qui défend comme ça? Mais d'où Triang qui défend comme ça? Mais c'est une blague! Mais d'où Triang qui défend comme ça? Mais Triang c'est Patrick Beverley! Triang c'est Kawhi Leonard! Et pourquoi... Pourquoi il m'a sorti? Il me rentre 20 secondes avant la fin du match! Putain, je suis dégoûté! Je suis dégoûté, putain! Je suis dégoûté! Non, en vrai, je suis dégoûté! Déjà, pourquoi le coach il me rentre? On est mené 3 points! Putain, je suis dégoûté! Heureusement qu'il y a quand même cette petite musique pour nous remonter le moral, hein! J'ai fait exprès de vouloir perdre ce match pour qu'on se dise: ça va être un vrai défi! En fait, New York, tu vois. Genre, chaque victoire va compter. On joue le titre, mais step by step. Lâchez le like, abonnez-vous, partagez sur les réseaux. Encouragez-moi surtout dans les commentaires et dans le chat. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, en fait. Allez, c'était votre gars Paf. Peace.